Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nuance Report. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez tout simplement cliquer là-dessus. Abonnez-vous, activez la cloche, ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous voulons vous raconter une histoire d'une jeune fille qui nous a vraiment touché sur Nuance Report. Cette fille est vraiment une histoire assez compliquée. Cette fille a connu les hommes à un âge vraiment très bas. Et elle a commencé à faire des avortements et des avortements multiples. Et un jour, quelque chose va se passer dans sa vie. En fait, cette fille-là, elle va se rendre dans un endroit éloigné de là où elle habite. Machin un peu mes frères et soeurs. Et quand elle va arriver dans cet endroit, ce qui va se passer, c'est que elle va entendre des gens parler des bienfaits de l'eau de la mer. En fait, cet endroit où elle s'est rendue est un espace occupé également, à un espace occupé par de l'eau. Il y a une étendue d'eau là-bas. Et les gens parlaient des bienfaits de l'eau de mer. Et qu'est-ce que les gens disaient, racontaient par rapport à cette histoire? Mes frères et sœurs, ce que nous allons vous dire, ne les reproduisez pas. Il y a des personnes tellement curieuses essaieront d'aller refaire la même chose. Ne le faites pas, nous vous prévenons en même temps. J'espère qu'à ce niveau, nous sommes d'accord et qu'on peut avancer. Ok. Donc, on vous a dit que quand cette femme est arrivée là, on lui a parlé des bienfaits de l'eau de mer. On leur a dit que tu arrives sur la plage entre 17h et 18h et tu fais des vœux, trois vœux. Et quand tu finis de faire les trois vœux, tu prends un peu d'eau de la mer et tu le bois. Tu la bois. Tu bois cette eau-là, tu la bois et puis tu te laves le visage et le pied avec. Et tu le fais. Quand tu finis de le faire, ce qui va se passer chez toi est que tes vœux seront exaucés. En plus de ça, toi, tu n'auras pas de maladie. C'est-à-dire dans le ventre, tu n'auras pas de maladie. Puisque elle avait fait beaucoup d'avortements, ce qu'elle recherchait le plus, c'était tout simplement voir son ventre être bien lavé, être purifié en un mot. Vous avez vu, en plus, elle avait trop de problèmes dans sa vie. Elle voulait également réussir. Elle disait que je veux réussir puisque je suis l'aîné de la famille. Il faut que je montre l'exemple. Donc, je dois réussir. Je dois tout mettre en œuvre pour réussir. Donc, que cette eau, que l'eau de mer fasse en sorte que je puisse avoir un bon boulot. Un boulot qui me permettra de m'occuper de ma famille, de m'occuper de tous ceux qui m'entourent. Waouh! Et elle a fait ces trois vœux là, mes frères et sœurs. Elle a parlé ainsi. Selon vous, mes frères et sœurs, est-ce que ça aura des effets? Est-ce que ça aura des effets, mes frères et sœurs? Selon vous. Est-ce que ça aura des effets? Si ça n'avait pas eu d'effet, nous ne ferions pas cette vidéo. Nous ne ferions pas cette vidéo. Si nous avons parlé, si nous vous parlons de cela, c'est parce que ça a marché. Oui. Les gens ne racontaient pas de n'importe quoi. Ils disaient la vérité. Mais le problème est que ça l'a connecté à un dieu étranger qui était un démon, qui est communément appelé même une sirène. Comment elle a vu pour la première fois? Comment elle a ressenti pour la première fois? On va tout vous dire ici. Écoutez bien. C'est à ce moment-là que vous allez considérer tous vos songes. Quand vous vous endormez là, tout ce que vous voyez dans vos rêves là, ce que vous appelez rêve là, c'est un songe. C'est-à-dire tu ne t'entends même pas à ça et tu fais un songe pareil. Faites assez attention. Faites attention. Le premier songe qu'elle a eu, après avoir fait cette pratique là, encore ce rituel là,
Voici le premier songe qu'elle nous a dit, qu'elle a fait. Elle dit que dans ce songe-là, elle voyait une femme avec trois visages. Le premier était le visage, c'est-à-dire son premier visage, avait l'aspect de quelqu'un qui est en train de pleurer, qui veut pleurer, qui a des problèmes. Le deuxième visage est un visage normal. Et le troisième est un visage souriant. Et elle lui disait, viens et fais trois vœux ici. Viens et fais trois vœux ici. C'est une pierre, il y avait une pierre. Il y avait une pierre qui était là. Et elle devait faire trois vœux. Et là, c'était maintenant où? En songe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui s'est passé physiquement là, sur la plage là, ça a commencé à se matérialiser en esprit pour que tout prenne forme dans sa vie. Est-ce que vous comprenez? Non, vous n'avez pas bien compris. Nous allons vous expliquer. Ma soeur, mon frère, nous allons vous dire. Tout ce que vous faites dans la matinée, là, dans la journée, là, tout ce que vous faites en bien comme en mal, nous allons vous dire que la nuit, quand vous vous endormez, ça réjaillit sur votre esprit, sur votre âme, pour se matérialiser, pour prendre une bonne forme définitivement dans votre vie. Et elle avait revu la même scène-là. Elle a vu ça comme ça. Mais cette fois, elle a eu peur. Pourquoi a-t-elle eu peur? Parce qu'elle a vu cette fois une femme. Et cette femme-là, elle n'était pas censée voir cette femme. Ça ne faisait pas partie du contrat, n'est-ce pas? Ce qu'il s'était dit là, ce qu'on lui avait dit là, c'était pas ça. On lui a pas dit qu'une femme allait apparaître. Non! On lui a pas dit qu'elle allait même avoir un songe après. Non! Mes frères et sœurs, dès que vous attendez des tests d'histoire quelque part, faites attention, c'est le diable qui est en train de parler. Le diable parle aux gens. Il parle, il fait sa publicité, il fait sa promotion, il parle de lui, afin que les gens viennent vers lui, soient attirés par lui. Et ces gens qui parlent, ils ne vont jamais donner les effets négatifs de leurs produits. Ils vont toujours vous dire que c'est une bonne chose, c'est bon. Mais quand vous serez dans la chose, c'est là où vous allez commencer à voir qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dit. Il y a les non-dits. Et parce qu'ils savent que si vous dites ces choses, vous aurez des problèmes. Si le diable vous montre, vous dit qu'en vérité, son vrai visage, c'est le visage d'un serpent qui est plus laid que l'air. De toute façon, c'est qu'un serpent qui est beau. Comment vas-tu aimer ou encore apprécier un serpent? Non. Mais il va tout vous raconter. Puis il va vous raconter tout bien, superbe, pour embellir la chose. Pour vous tromper. Mon frère, ma soeur, nous allons te dire aujourd'hui la vérité. Fais attention. Quand elle a eu le songe la première fois, elle n'a pas accepté d'aller vers cette femme. La seconde fois, elle a encore eu le même songe. La troisième fois, le même songe. Et finalement, elle a accepté de faire les trois vœux devant cette sirène-là. Et c'est en ce moment-là, elle a signé un pacte avec une sirène. Carrément dans son songe, en rêve, comme vous pouvez le dire. Tu as dit, c'est juste un rêve. Tu as dit, c'est juste un rêve. Mon frère, on n'a pas vu sur la terre pour s'amuser. Tout ce que Dieu a créé là, c'est pour un but. Si tu t'endors, tu vois un truc. Il faut savoir que c'est ton esprit, ton âme là, qui est en train de voir les choses. Et tout ce que tu vois là, c'est la réalité. Si tu ne considères pas ça, ça va se matérialiser dans ta vie. Et quand ça va commencer à se matérialiser dans ta vie, tu sauras que Dieu a créé toutes choses pour un but. Et tu seras même surpris. Comment ça va maintenant se matérialiser dans sa vie? Quand elle a fini d'avoir ce songe, mais ce que vous devez savoir, c'est que dans ce songe-là, la femme lui disait, à partir d'aujourd'hui, tu m'appartiens.
et tu dois m'adorer. Tout ce que je vais te demander de faire, tu le feras. Il y a un type de poisson que toi, tu ne dois pas manger. Tu ne dois pas manger tes poissons qui sont comme ceci, tu ne dois pas faire comme cela, tu ne dois pas faire comme ça, comme ceci. Et la fille, elle obéissait à tout. Et tout ce que cette sirène lui demandait de faire, c'est ce qu'elle faisait. À un moment donné, là, la sirène, là, elle s'est incarnée en elle. Elle est entrée en elle, à la fille, là, comme ça. Depuis ce jour-là, la fille, là, elle n'est plus la même. Elle n'est plus la même. Maintenant, là, quand elle est à la maison, elle a envie de se mettre nue. Elle a envie de se mettre nue maintenant. Et elle a commencé à s'habiller de façon sexy. Et elle a remarqué que sa beauté avait gagné en puissance. Elle brillait. Elle brillait même plus que brillait. Elle brillait plus. Et puis, les hommes étaient attirés par elle et elle seule. Les hommes ont commencé à l'aimer comme ça. Ah! Elle-même ne comprend pas. Est-ce que ce monsieur est une femme dans le pays là? Et puis même comme ça, elle a compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et c'est à ce moment-là, elle a commencé à jouer avec les hommes. Elle a les rapports avec, sexuels avec toi. Après un moment, elle te regarde jusqu'à te dire bon. Elle se fâche, elle dit c'est bon, c'est fini entre nous. Et c'est à ce moment, le gars va courir derrière elle. Ah, tu sais que je t'aime, si tu me laisses, je vais me suicider. Et tous les hommes qui couchaient avec la fille, là, plus rien n'allait dans la vie. Plus rien n'allait dans la vie. Ils étaient tous bloqués. Parce qu'ils ont couché, en réalité, avec une sirène. Et ils ne le savent même pas. Voici ce qui se passe. Ah! Et la fille a commencé à faire la vie de débauche. Elle a tellement couché avec les hommes. Elle dit, bon, je suis fatiguée de coucher avec les hommes maintenant. Je vais aller coucher avec les femmes. Elle est une lesbienne. Elle a commencé à fumer. Tout sortes de drogues. Tout sortes de choses. Maintenant, nous allons poser la question de savoir. Dites-moi, est-ce que ces trois heures étaient aussi? Est-ce que ces trois veuves étaient aussi? Elle voulait être celle-là même qui va soutenir sa famille, non? Mais on a l'impression qu'ici, elle est en train de détruire sa vie. Une femme qui est bien dans sa tête, qui veut réussir, qui veut vraiment avoir une vie rangée, ne peut pas faire ce qu'elle est en train de faire. Et c'est de ça que nous sommes en train de vous parler ici. C'est de ça que nous sommes en train de vous parler ici, mes frères et sœurs. Ça existe. Ces choses sont réelles. Même des femmes inconsciemment, elles pratiquent toutes ces histoires. Ma soeur, si tu es dans tout ce que cette fille a fait là, il faut savoir que tu es poussé par un esprit. Et cet esprit-là correspond à l'esprit de cette fille-là. C'est l'esprit des sirènes. C'est une sirène qui fait ça. Là, tu couches avec les hommes, tu couches avec les hommes. Tu fais des choses pas possibles. Il y a un enfant qui me salue de l'autre côté. Tu fais des choses vraiment pas possibles. Ah! Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Et à un moment donné, là, elle s'est même rendue compte que il y a vraiment quelque chose qui ne va pas avec elle. Et qu'elle a besoin de délivrance. Elle a besoin qu'on l'aide. Parce que sa vie, ce n'était que ça. Elle passe autant à cacher la vie des hommes. Elle avait toi, elle te laisse. Point rien comme ça, elle te laisse. Et les hommes courent après elle. Ça devenait vraiment un peu boucasse bobo. Elle a décidé de se ranger. Voici comment elle allait à l'église. Ah! Quand elle est entrée à l'église, la foi de soeur, vous n'imaginez pas ce qui s'est passé là-bas. À sa délivrance. Waouh! Mais nous devons vous dire aussi qu'à un moment donné, là, elle avait maintenant grandi dans cette histoire. Au point où la sirène là elle-même avait des rapports sexuels avec elle dans ses rêves. Est-ce que vous voyez? Oui. Et elle, la fille,
elle appréciait ça. Elle aimait ça. Ça lui plaisait. Et il y a même plein de gars même qui sont ici même, qui ont des songes, qui couchent avec les filles de leurs rêves. Et ils aiment ça, et ils kiffent ça. Oh, ça me plaît, si elle peut venir encore demain, ça va être chic. Toi, tu as des rapports sexuels avec une femme que tu ne vois pas. Et toi, tu kiffes ça. Toi, ça te plaît. C'est pas normal, hein, mon frère. Nous allons te dire, c'est pas normal même du tout. Nous allons te dire. Si tu n'es pas au courant, nous allons te dire que c'est pas normal. Du coup, tu étais d'aller comme ça avec les rapports, avec les démons. Et ce démon-là, à un moment donné, là, elle risque de se présenter à toi. Elle va même pas accepter même que tu aies une femme sur la terre ici. Et à cause de toi, toutes les filles qui vont s'accrocher à toi auront des problèmes. Elles auront des problèmes parce que ce démon-là ne va pas permettre que toi, tu puisses te marier. Puisque tu as déjà commencé même à les aimer. Tu disais que tu appréciais même. Tu disais même que c'était chic. Que si ça pouvait continuer même, ça allait te plaire. Même à cette personne même qui veut même voir les cigarettes même physiquement, ou encore c'était moi avec qui ils ont des rapports, c'est ceux de la nuit là physiquement. Et c'est en ce moment où ces personnes vont se mettre à parler. Ah, toi je te vois même dans mes rêves, si tu pouvais même venir physiquement, ça là me plaît. Même il va raconter aux gens que lui il a une femme qui est jolie comme ça, elle est claire. Ou bien elle est blanche, elle est comme ceci, elle est comme ça, elle l'aime. Mais où elle est? Quand c'est la nuit, on lui pourrait la garder, où est-elle? Ce sont des de mes rêves. Quoi? Tu as un problème avec toi, mon ami, tu as un problème. Faut que tu fasses ta téléphone, on doit prier pour toi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je ne sais pas, mon frère. Il y a quelque chose qui ne va pas, voilà, tu dis. Ce n'est pas normal que ton pantalon soit toujours mouillé à ton réveil. Si toi, ça te plaît, nous allons te dire que nous, ça ne nous plaît pas de te voir ici. Si vous dites que c'est une bonne chose pour vous, cher. Vous devez tout mettre en œuvre aujourd'hui pour chercher la face de Dieu. Et c'est celui qui est allé à l'église et qui nous fait sa délivrance. C'est à ce moment-là qu'on va se rendre compte que ses cheveux n'étaient plus des cheveux naturels. C'était des mèches, des ceci, de cela. Elle a fait toutes sortes de cheveux. Ah, comment tu fais? Aujourd'hui, ses cheveux sont oranges. Demain, ses cheveux sont marrons. Après, c'est violet. Après, c'est rose. Elle change de couleur. Elle ne sait pas que le diable est tenté même de la posséder même au travers de ses cheveux. Et elle se dit que, oh! De toute façon, même Dieu lui-même, elle s'en fout de moi. Il n'existe plus. Dieu n'est plus réel. Dieu est parti il y a longtemps. Mais les démons qui sont aussi sur la terre, là, ils te fatiguent. Tu dois prier, chercher Dieu. Si tu passes autant à changer la couleur de tes cheveux, tu es dans les problèmes. Ce sont des choses qui n'appartiennent pas à Dieu et le diable est derrière toutes ces histoires. Et la sirène, elle aime ça. Nous devons prier quoi? Nous devons prier et demander à Dieu de nous aider. Vrai ou faux? Et quand cette fille-là a été délivrée de cette histoire, ils ont prié pour elle, elle a été délivrée. Elle s'est assise et elle a dit vraiment, ma vie passée n'était pas une bonne vie. C'est-à-dire c'est maintenant, elle sent que sa vie passée n'était pas une bonne vie. Mais en ce moment où cet esprit-là était en elle, elle ne pouvait pas voir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les femmes sont possédées par de tels esprits, la plupart du temps, elles se disent que c'est normal. Tu as deux gars, toi, tu as quatre copains. Ah! Toi, mais tu sais que... Est-ce que la belle même te dit qu'il y a un problème? Tu sais que c'est pas normal. Quatre copains, toi seul. Comment tu fais? Et les gens, tes camarades vont te dire, oh, tu es fort, tu es joli. Continue comme ça. C'est le diable qui te parle. Pour te garder dans le péché. Après que quand tu meurs, tu vas pas à l'enfer. Tu ne vas pas au paradis avec toi, mais tu es au courant. On va même pas bien te dire ça. Le paradis, l'enfer sont réels, tu le sais. Change tes voies, ma soeur. Et aujourd'hui, cette fille-là, elle reconnaît qu'elle n'était pas dans une bonne vie. Et qu'elle a fait trop de bêtises. Et elle dit même, elle demande pardon à Dieu, elle demande pardon à Dieu. Parce que dans cette mauvaise vie-là, elle a fait trop d'avortements. Il y a l'un de ces avortements même qui ont failli même l'emporter. C'est-à-dire l'enfant-là même voulait partir avec elle. L'enfant a dit, je ne meurs pas seul, on meurt ensemble aujourd'hui. Elle a commencé à saigner après l'avortement. C'est grâce à Dieu, elle est restée en vie. Elle avait même fait une promesse même à Dieu pour dire à Dieu que franchement, si tu m'enlèves, si tu me donnes la vie, moi je ne vais plus commettre la même bêtise, je ne vais plus avorter.
Mais après ça, elle a voté 5 fois. Oui. Voici ce qui se passe. Nous ne sommes pas en train de vous embarrasser. Ce matin-là, nous sommes chauds. Et comme nous sommes chauds, nous voulons vous dire de bonnes choses en même temps. Pour que vous puissiez avaler ça en même temps et changer vos voix. Ah, ma soeur, si tu es en bonne santé, c'est bien. Si tu te préserves pour ton mari, c'est bien. Si tu as un frère que tu ne sais bien. Ah, c'est possible. Et les conditions difficiles même qui poussent parfois les filles à faire ces choses comme ça. Elle-même n'est pas comme ça. Hein. Mais les conditions difficiles poussent les filles à faire ça. Ma soeur, que Dieu t'aide. Hier, nous avons vu un témoignage. Si Dieu permet à la fin de cette vidéo, ce témoignage va apparaître. Une fille, une jeune fille a perdu son père et sa mère. Elle était livrée à elle-même. Elle ne savait même pas qu'est-ce qu'elle allait faire pour s'en sortir. Voici comment elle a rencontré un homme. Et ce gars-là, elle a eu des rapports sexuels avec lui. Parce que si elle ne le faisait pas, il allait la laisser. Et c'était lui qui l'entretenait. Et quand il s'est rendu compte que la fille est tombée enceinte de lui, il a fui. Il a dit, mais l'enfant, ce n'est pas son enfant. Elle était la seule. Quelques temps plus tard, elle va rencontrer un homme âgé de 75 ans. Et c'est cet homme-là qui va devenir son homme. Et cet homme-là, ce qu'il fait, vous savez c'est quoi? Il a loge, c'est-à-dire il a une petite cabane quelque part dans sa villa, quelque part dans son patrimoine. Elle est là-bas, dans cette petite cabane. Et lui, chaque nuit, il va juste coucher avec elle pour qu'elle puisse dormir là. C'est-à-dire, la maladie de la récompenser, elle dort là avec son enfant de un an et quelques mois. Et c'est ce que lui fait chaque jour à la fille là. Chaque jour, c'est ce qu'il est tenté de faire. Matin, midi, soir. Mais elle ne sait même pas comment elle va faire. Elle ne sait pas. Waouh! Mes frères et sœurs, voici. Si tu es dans cette situation, cherche Dieu qu'on fasse la délivrance. Que tu t'aides. Cette fille-là, elle est allée dans une église pour qu'on prie pour elle. Et quand elle est arrivée là-bas, l'homme de Dieu lui-même l'a été dépassé. Quelle a vu cette situation, c'est dit qu'il doit faire quelque chose. Quelle a vu cette situation, c'est dit qu'il doit intervenir. Il a dit, cette situation-là, vraiment, ça me touche. Et voici que le gars, il a dit, ok, il n'y a pas de souci. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus rester chez ce gars-là, chez cet homme, chez ce vieil homme de 75 ans. Tu ne vas plus rester là-bas. Nous allons te louer une maison. Tu vas 6 mois dans la maison. On paye des 6 mois, les 6 premiers mois. Et il a demandé dans le public s'il y a d'autres personnes qui peuvent venir l'aider la fille. C'est-à-dire aider à ce qu'on paye les 6 autres mois pour que ça fasse un an et que sa vie soit stable. Et s'il y a quelqu'un qui peut donner plus, qu'il le fasse. Et les gens se sont levés. Parce qu'ils étaient touchés par cette histoire. Ils ont eu pitié de la fille. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide, qui n'a pas de soutien. Vous passez votre temps à faire des bêtises. Le gars a 75 ans, mais il est animé par l'esprit du diable. Au lieu de l'aider, il cherche maintenant à l'enfoncer. Et la fille là, elle était vraiment perdue. Elle ne savait plus quoi faire. Mais elle est venue à l'église. Il faut chercher Dieu, mon frère, ma soeur. Il faut chercher Dieu. C'est pas facile. Il faut chercher Dieu. Il y a même une femme. À cause de toutes ces histoires difficiles, elle s'est retrouvée dans la prostitution. Surtout moi, c'est tout le même signe sur le point. C'était traité hier. Et dans la prostitution, là, elle a rencontré un jeune homme. Et cet homme-là a eu des rapports sexuels avec elle. En contrepartie de l'argent, elle lui donnait de l'argent. Et ce jour-là, cet homme a payé une somme colossale. C'est une somme plus grande que la somme qu'il avait là, qu'elle devait recevoir. Mais il n'a pas payé cette somme-là pour rien. Il a tout simplement acheté son âme. Et elle ne savait pas. Ça a l'église, tout s'est passé. Si Dieu permet, les deux vidéos apparaîtront à la fin de cette vidéo.
et vous en saurez plus au sujet. Regardez-les et découvrez combien de fois le diable travaille contre votre vie. Nous devons vous dire, et il y a plein de choses que nous devons vous dire encore, vous avouer après cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez, abonnez, cliquez, s'accroche. Et d'autres moyens puissants, nous aideront à bien marcher. Ça va vous permettre beaucoup, même beaucoup de choses qui se passent concrètement dans ce monde. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Prenez surtout soin de vous. Que Dieu vous donne la force de sortir de ces choses. Merci, Père. Que Dieu bénisse, frères et sœurs.